À chaque concert, il y a un inédit, notamment pour remercier ceux qui viennent. Alors le problème, c'est que parfois, l'inédit, il couille. Hein. Contrairement aux chansons qui ont été répétées, qui ne couillent jamais, c'est bien connu. Voilà un inédit, on l'essaye, ça marche très bien, ça marche pas, tant pis. C'est un inédit qui rend hommage à un groupe de hard rock progressif que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Angra. Et pour pas qu'on m'accuse de plagiat, je l'ai appelé Angro. Ma femme, le lundi, retourne au turbin, c'est ainsi. Quand je lui demande ce qu'elle va faire, elle me dit, ben, toucher un salaire. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour que ça commence dès le début. Je pourrais, bien sûr, insister. Non, mais ça revient, par exemple. Mmh. Sinon, ça va durer 3 heures, le concert. Du coup, les gens qui sont adaptés vont se faire chier. Je pourrais vraiment insister, mais je veux pas pouvoir être affliqué, et non pas la fligaine, je le dis pour ceux qui, voilà. Je sais ce qu'il faut savoir, mon gros, elle travaille dans un bureau. Je sais ce qu'il faut savoir, mon gros, elle travaille dans un bureau. Ma femme pourrait être agente d'accueil ou sous-préfète. Quand je lui demande ce qu'elle fait, elle me dit, je vais gagner du blé. Donc, il est retour. Le problème quand vous avez un trou, c'est que bah, il reste. Hein, ça, elle m'explique qu'elle m'a 100 000 fois détaillé ce qu'elle fait. Mais moi, tout ce que j'ai retenu, et là on comprend qu'effectivement j'ai trop de mémoire, en gros, c'est qu'elle travaille dans un bureau. Tout ce que j'ai retenu en gros, c'est qu'elle travaille dans un bureau. Ça exclut bon nombre d'emplois, comme cycliste ou lapin des bois. Mais il y a plein de jobs en l'espèce qu'on peut faire dans un open space. Ceux qui ont un boulot normal comme président ont toujours du mal à dire ce qu'ils font, à part mon gros, je travaille dans un bureau. C'est ce qu'ils font à part mon gros, bah, je travaille dans un bureau. Quand je demande aux amis qui bossent sur une chaise, c'est permis. Ils lâchent, mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on dise? On coordonne. On supervise. On passe notre vie devant un ordi, mais pas pour jouer, non, pardi. Et quand il se taise, je comprends qu'en gros, il travaille dans un bureau. Et quand il se taise, je comprends qu'en gros, il travaille dans un bureau. Des beignes, alors que je voudrais juste savoir ce qu'on fait de l'autre côté du miroir. Moi qui ai toujours rêvé de pas gagner ma vie entravée, j'aimerais savoir ce qu'on fait en gros quand on travaille dans un bureau. J'aimerais savoir ce qu'on fait en gros quand on travaille dans un bureau. Snob, ça ne l'est pas, comme un enfant devant son papa. J'admire les gros balèzes qui ont le moule de leur cul sur leur chaise. Et qui éventuellement retiennent tout peut-être la chanson. Personne ne peut me souffler, non. Ah non, c'est le problème de l'inédit. Peu importe, en gros, il travaille dans son bureau. C'est ça l'avantage de refrain. C'est là où on comprend quand même pourquoi il y a un refrain. Peu importe, en gros, il travaille dans un bureau. Ce soir, je
je frime. Bon, sauf quand j'ai des trous, mais ça arrive. Je fais la roue puisque je chante devant vous. Mais si demain plus de concert, je ferai 10 annonces, c'est clair. J'exposerai mon parcours compact, mon sens et mon goût du contact et mon dévouement pour en gros aller bosser dans un bureau. Et mon dévouement pour en gros aller bosser dans un bureau. Alors je tiens à dire à la partie du couplet qui voulait pas venir tout à l'heure et qui revient maintenant, je me fais la faute. Ce sera pour une prochaine édition. Ah non, en revanche, le dernier couplet, il arrive. Hein. Ma femme, le lundi, sur les coups de 5h30, me demandera ce que je vais faire. Je lui dirai, gagner un salaire. Si elle insiste, l'inconsciente, je lui dirai, alors j'espère que tu es contente. Maintenant, je suis un homme comme il faut, je vais bosser dans un bureau. Maintenant, je suis un homme comme il faut, je vais me faire chier dans...